Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne secondaire, pensez évidemment à vous abonner, activer la cloche, ça ne coûte rien. Il y a des vidéos contenu exclusif où je raconte un peu plus ma vie, etc. Et on prend plus de temps pour discuter parce que voilà, vous savez, le concept de ma chaîne principale, ça reste de quand même faire des vidéos assez courtes où il y a beaucoup de dynamisme. Là, on est sur une vidéo, sur une chaîne secondaire où je raconte ma vie et même si je bégaye, je vais te le mettre 10 fois, tu vois. Enfin, je vais te la mettre quand même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec la GTR qui est revenue de carrosserie. Vous avez entendu les petites histoires que j'ai eues. D'ailleurs, Alex qui est derrière la caméra. Attends, on va dire bonjour à Alex quand même. Attends, je suis claqué contre la fenêtre. Voilà, il y a Alex qui est juste ici. Ça va les gars? Comment ça va? On est là. Bon, ta Porsche va bien? La Porsche va bien. Le GLE est au garage. Au garage repos, on va dire. D'ailleurs, t'as fait quelque chose là, tu sais, l'accident qu'on avait eu là avec ta Porsche, enfin, que j'ai eu avec ta caisse. D'ailleurs, ouais. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez, j'ai eu un accident de voiture sur la chaîne. Et bah, secondaire. Non, on n'a rien fait encore parce que je suis parti en vacances le lendemain. J'ai juste fait reposer des plaques et tout pour pas avoir de problème, mais elle va repartir en réparation là. Ouais. Parce que c'est surtout de la peinture à vrai dire, une petite bosse et de la peinture, et après il avait arraché des trois trucs. Mais donc bref, en gros, voilà. Si vous voulez regarder la vidéo elle s'intitule « J'ai eu un accident de voiture ouais. ». Et en gros, vous allez comprendre. Et ça parle de choses qu'il faut regarder d'ailleurs. Regardez la vidéo, c'est sur la chaîne secondaire. Bref, je compte sur vous évidemment, on l'a pas dit, pour mettre un petit pouce bleu. Hein. Petit pouce bleu ça coûte rien et vraiment ça aide énormément au référencement. Et dans les commentaires, vous mettez pouce bleu pour les référencements. Voilà, les petits pouces bleus, je compte sur vous. Bon, aujourd'hui on est là avec la GTR, donc qui est sortie de carrosserie. Moi. Donc d'ailleurs, ils ont fait un boulot exceptionnel. C'est le garage GMA à Montesson qui m'ont fait. Montesson, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Montesson qui m'ont fait la carrosserie. Qui m'ont fait tout le côté gauche. Elle, avant, gauche, portière, milieu. Et elle arrière gauche, et aussi ils ont fait le capot complet parce qu'il y avait une rayure sur le capot qui était trop profonde pour refaire juste cette zone. Donc malheureusement, on a dû refaire toute la complète. D'ailleurs, on va bientôt retourner chez eux. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, aujourd'hui on est là pour parler un petit peu de la GTR. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Ça fait bientôt, je crois que ça fait 6 mois depuis janvier. Janvier, ouais, ça fait à peu près 6-7 mois que je l'ai. J'ai pas fait grand chose dessus, mis à part la prépa moteur, échappement, etc. Et moteur, donc ça c'est déjà pas mal. Je préfère commencer par le moteur, je trouve, avant de faire l'esthétique, parce que je trouve que c'est une GTR d'origine, c'est ce qu'il faut. Enfin, faut qu'il y ait une préparation, faut qu'il y ait au moins un échappement. Donc j'ai commencé par la préparation moteur et échappement. Donc là, pour moi, aujourd'hui, on est à un stade où c'est déjà plutôt pas mal, ça marche déjà de malade. On pourrait faire plus, il y a un projet peut-être de faire plus plus tard, mais en tout cas, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, c'est une caisse que je compte vraiment garder, puisque je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture. Je pense qu'un truc qui pourrait me faire passer au-dessus d'une GTR, ça serait une Supra. Ça vraiment, ça me fait kiffer. Mais malheureusement, tu n'aurais pas le confort d'une GTR. Tu n'aurais pas. Bah, pour Paris, c'est pas possible d'avoir une Supra, quoi. Donc voilà. Et que cette vitesse, les amis, c'est limité à 30 à Paris. Je suis à 40. La catastrophe. Mais... Bref, aujourd'hui, on est là pour parler des modifications. Alors, j'en ai pas mal parlé sur mes lives. Alors, au début, je vous disais que je voulais surtout faire. Mettre un aileron carbone. Mais je pense que voilà, mettre un aileron carbone, pour mettre toute la voiture avec, il faut mettre le capot, etc. Il faut mettre des jantes, donc je peux pas mettre juste un aileron carbone comme ça, ça fait super moche. Donc le projet que j'ai, je vous parlerai de tout sauf de la couleur, parce que la couleur je vais la garder perso, pas envie qu'on me la copie avant que je la sorte, tu vois. Donc la couleur, j'ai mon idée en tête, mais le reste je vais vous en parler. Alors on va commencer par la base intérieure. Déjà je vais changer de volant Alcantara, enfin soit je mets un volant Alcantara, soit je fais un volant carbone Alcantara. Non, si non. Et carbone de nouveau en bas. Oui, voilà, carbone, Alcantara, carbone. Je vais pas mettre le LED, pourquoi? Parce que j'ai déjà pas mal de trucs branchés sur mon OBD. Et en fait, si vous voulez, le LED, vous savez, le light shift, c'est branché à l'OBD et c'est connecté entre le volant et l'OBD par Bluetooth. Sauf que là, j'ai déjà mon EQTEC. Pour ceux qui savent pas EQTEC, ce que c'est pour activer le mode flamme, etc. Si je veux mettre les valves Armitrix, il faut que je rebranche un autre OBD. Donc si j'ai 3 OBD, enfin 3 trucs à brancher, débrancher, ça va être une galère. Et puis le LED, franchement, ça sert à rien. C'est juste. Ça fait des belles photos, on fait des beaux trucs pour Instagram. Mais honnêtement, c'est super, enfin c'est inutile. C'est beau juste. Ouais, c'est juste super stylé quoi. Mais du coup, non, je vais pas. Ouais, c'est juste super stylé. Ouais, voilà, mais c'est beau, mais ça sert à rien en fait. Parce que ça te pète les yeux la nuit en pleine sur l'autoroute, ça te casse les yeux. Mais voilà. Donc je vais pas mettre de LED, je pense que je vais faire un volant carbone, Alcantara, carbone. Donc voilà, première modif intérieure. Et ensuite extérieur, j'ai un gros projet dessus. Je pense qu'il va avoir 15 ou 20 000 euros de préparation extérieure. Alors on va commencer à la base. Je pense qu'une GTR, aujourd'hui, les jantes de GTR d'origine sont belles mais sont trop rentrées. Or, il y a pas mal de gens qui disent que mettre des cales, c'est pas bon. Alors moi, je préfère suivre le négatif et ne pas mettre de jantes, de cales, sachant que je vais mettre des jantes. Donc je vais pas garder mes jantes d'origine, je vais changer les jantes. Donc je sais pas, conseillez-moi d'ailleurs dans les commentaires pour les jantes parce que je sais pas laquelle mettre. Je regarde encore en quelle jante mettre, mais j'avoue que. J'ai un peu du mal à trouver les jantes que je veux mettre. Donc, ouais, je vais mettre un set de jantes plus large du coup, plus belle et plus large. Ensuite je vais mettre un capot carbone. Donc capot carbone, je vous donnerai pas les marques hein, à part pour le pare-choc avant, parce que je vais aussi changer le pare-choc avant et je voulais vous le montrer, il est trop beau. Donc capot carbone,
une lame avant en carbone, un aileron carbone. Donc là, au niveau du pare-choc avant, vous avez dû comprendre, vous avez entendu que j'ai dit qu'elle est partagée, que j'allais changer mon capot carbone. J'ai bégayé là. Un peu. Ouais. Tu filmes le ciel ou c'est bon? Non, non. Alors je vais vous montrer la pare-choc avant à quoi il ressemblait. J'ai trouvé ça sur un Instagrammeur qui a une GTR. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message pour voir d'où ça venait. Je vais quand même m'arrêter avant. Je vais pas prendre le téléphone au volant. Je m'arrête en rapide pour vous montrer ça. Warning. En gros, regarde, tu peux zoomer. C'est un pare-choc avant. Je peux mettre en x1, ça te dérange pas? Merci. C'est un pare-choc avant du coup Top Secret. Alors j'ai pas encore regardé les prix, mais je crois que c'est assez cher un pare-choc avant de Top Secret. Donc elle est vraiment super belle sa GTR. Je crois ça que c'est rend vraiment bien. C'est Apex Zia sur Instagram. Donc voilà, petite dédicace à lui, même si je le connais pas. Donc voilà, ce pare-choc avant là est vraiment très énervé. Après il y a pas de plaque, mais vraiment il est super beau. Donc là on a un pare-choc avant Top Secret. Je crois que lui c'est le capot Top Secret, mais je suis pas sûr. Donc voilà, je vais déjà changer le pare-choc de sûr. Je vais mettre celui-là avec la couleur de ma voiture que je vous. En fait, faut juste te dire. Attends, parce que c'était chaud. Ah ouais, c'était chaud. C'était chaud, famille. Du coup, j'ai passé la main dans la caméra. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a failli se faire exploser par un bus, mais tout va bien. Ouais, je suis repassé, les gars. Le bus, il a pas eu peur. C'est ma faute, c'est ma faute. J'étais là sur le bus. Bref, du coup, voilà. Et du coup, voilà, en gros, on va faire une grosse prépa esthétique. On va mettre du coup le capot, le pare-choc avant. J'ai le cœur qui palpite là. Ouais, je me suis dit, on va pas. J'ai vraiment cru qu'il allait tout refaire là. On parlait de Gémant, on était bon pour y retourner. Non, on était bon pour retourner chez K aussi. Ensuite, on va aussi, du coup, je vais changer, je vais mettre une lame avant carbone, un aileron carbone. Et ensuite, je voulais voir, je vais pas mettre de kit. C'est très beau les kits Liberty Walk, mais c'est interdit en France. Du coup, je vais pas en mettre, mais c'est vrai que ça rend très très joli. Donc voilà, déjà, c'est ça que je voulais faire. Il y a peut-être un diffuseur arrière, mais ça, je sais pas la marque. Et du coup, un capot carbone, le plus important, je pense que la première chose qui va être faite, ça va être jante, capot, aileron. Voilà, pour avoir une voiture homogène. Et couleur. Et couleur, mais la couleur, malheureusement, je vous le dirai pas tout de suite parce que je préfère garder ça personnel. Parce que franchement, je préfère pas vous le dire. Voilà, tout simplement, vous le verrez le jour J. La couleur, j'ai juste un petit truc qui m'a freiné et vous allez trouver ça super insolent. C'est qu'en fait, j'ai peur de faire le covering. Tu sais pourquoi? Ouais, pourquoi? À cause de AC, le vernis? Non, à cause des flammes. Ah ouais, non, le vernis, non, ça c'est pas ça. Que ça fasse des bulles. En fait, j'ai peur que je sais, mon poseur de covering, donc le covering m'a expliqué que même si je faisais des flammes. Ça brûlerait pas le covering, c'est inflammable, ça va faire des bulles, ça va se gondoler, mais ça prendrait pas feu. Donc ça m'a rassuré parce que j'avais peur en fait que le covering prenne feu, tu vois. Mais non, du coup ça prendra pas feu. Donc voilà, je vous explique globalement ce qui va être fait dans la voiture. Les modifs, je vais commencer pour le volant, je pense que je vais commencer ça des semaines prochaines. Et vous voyez, ça c'est la joie de Paris, ça. C'est rester 20 minutes derrière un vélo. Le cycliste fou. Le cycliste qui n'en a rien à faire et qui se met en plein milieu de la route. Donc voilà, je vais surtout faire ça. Et ensuite, je pense que. Passer les piétons. Ensuite, je pense qu'on sera pas mal déjà qu'on aura fait ça. Et ensuite, le covering. Donc voilà. Et après, il y aura d'autres modifs qui viendront, mais pour l'instant, on reste sur l'esthétique. Donc, tout ça, ça devrait être déjà bien. Voilà. T'en penses quoi, toi, Alex? Bah, déjà, tout ça, ça va changer la voiture. Ça va la changer. Et déjà surtout, que là, elle est vénère. Je t'ai montré à peu près ce que je voulais faire il y a deux ouais, fois. Ouais, moi, j'ai vu. Ça va être. C'est violent. Ça va être violent. Je pense que c'est bien d'avoir une prépa moteur sur une GTR, mais il faut aussi une prépa esthétique parce que faut rendre ça très énervé. Elle est très belle en orange, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Bah, déjà, là, sans la couleur qui va vraiment être un truc de fou, juste les pièces carbone, ça va la changer totalement. Parce que c'est vrai que sur une GTR d'origine, il n'y a pas du tout de carbone, à part le bas du diffuseur carbone, mais c'est un truc qui sert à rien. À part ça, il n'y a vraiment pas de carbone sur une GTR, ça c'est dommage. Non, et ça va faire un beau contraste. Ça va faire un beau contraste, effectivement. Voilà, après, si vous, dans les commentaires, vous avez des idées de ce qu'on pourrait rajouter, tu vois, après, vous allez me dire turbo, etc. Turbo, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Enfin, c'est dans un projet, mais d'abord, on va s'attaquer à l'esthétique de la voiture. Je pense que, tu vois, comparé à la saison 3, ce que j'ai fait en erreur. Attends, tu vois, les cyclistes, ils viennent de partout à Paris. La saison 3, ce que j'ai fait en erreur, c'est toi aussi t'es stressé quand il passe pas de ta caisse. Je déteste. Ouais. Mais toi, elle bip pas beaucoup, toi. Non, elle bip pas beaucoup, c'est pas. Sur Porsche, c'est l'enfer. Il y en a partout. Regarde, film. À Paris, il y en a partout des cyclistes. Regardez-le, s'il y en a un beau casque. Il y en a d'autres. Non, mais laisse tomber, j'ai l'impression que je suis stressé à chaque fois. Bref, et du coup, voilà. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires ce qu'on pourrait installer. Et j'étais en train de dire quoi encore? Non, ça m'a perdu là. Ah ouais, ça m'a perdu. J'ai dit oui, du coup, pas de turbo pour l'instant. C'est dans ah oui, purement esthétique. C'est dans mon projet, mais pour l'instant, voilà. Je sais que le saison 3, j'ai fait tout trop vite. Et du coup, je me suis vite lassé de la voiture. Et je pense que la GTR, j'ai pas envie de m'en lasser tout de suite. Du coup, j'ai envie de faire les choses petit à petit, tu vois. Bah, sur le C, en une semaine, t'avais tout fait presque. Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'avais rien fait au début, et puis d'un coup, tout est arrivé. Donc, c'est pour ça que je voulais surtout prendre mon temps pour faire ça. Voilà. On est bon. Mais bon. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous rappelle, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est G3 Adrien avec 2 i. C'est là où je poste vraiment tout le tuning toute la journée. Si vous voulez suivre Alex Gardet, G-A-R-D-E-T, donc pensez à le suivre également.
Ensuite, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Vraiment pas, parce que c'est une chaîne secondaire. Et putain, mais t'as vu tous ces vélos? C'est de partout. Ça arrive de partout, là, vous avez un garage. Mais vraiment, je vous jure que c'est abusé, c'est hyper stressant. Bah, c'est relou parce qu'en fait, ils se mettent devant toi au feu, mais ils avancent pas du coup. Ouais, non, mais surtout quand tu les vois arriver dans ton rétro, tu te dis, c'est sûr, ils vont me toucher. Puis il y en a déjà un qui t'a touché ton rétro, j'imagine. Ouais, ouais, moi, ouais. C'est horrible. C'était sur la 45, il me l'a cassé. Bref, c'est pas une ville adaptée pour les voitures de sport, Paris, tout simplement. Pour les voitures tout court. Voilà, tout simplement, parce que Hidalgo, elle veut tous nous dégager. Surtout que maintenant, c'est 30 à Paris, c'est fini. C'est ouais, franchement, le magistère, je la sors quasiment plus. Là, je l'ai sorti pour faire ma vidéo et vous expliquer un petit peu ce que j'allais faire dessus. Mais Paris, c'est un peu dégueulasse, quoi, maintenant. Ça dégoûte un peu de l'automobile. Bref, en tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce qu'on pourrait faire comme modif en plus. Et puis sur ce, les amis, ciao tout le monde. Bye bye.